suis Catherine Hu, je suis directrice de l'EHPAD du CCAS de Lille et je gère 6 établissements de petite taille qui forment un seul EHPAD. Nous étions effectivement en grande difficulté par rapport à ces remplacements. Il fallait appeler sans cesse nos collaborateurs, confirmer par mail. Le temps passé par les cadres auparavant dans cette recherche était trop important. Parfois, ils devaient rester jusque temps qu'elles trouvent le remplacement, ce qui empiétait dans leur vie personnelle. Aujourd'hui, ce temps est bien entendu beaucoup plus court et leur permet de travailler sur d'autres projets. La charge mentale des cadres est soulagée. Avec l'application Team Square, la rapidité, l'efficacité est maître mot. Alors avant Team Square, soit nos responsables d'EHPAD nous téléphonaient ou la secrétaire. Éventuellement, des fois, c'était très compliqué de pouvoir répondre au téléphone car on était en poste. Ce qui était embêtant aussi, c'est qu'on ne savait pas si le poste était pris. Et nous aussi, on ne pouvait pas savoir s'il y avait un rendez-vous à l'extérieur pour nous ou même pour les enfants, hein, une vie de famille aussi derrière. Donc c'est vrai qu'avec Team Square, on peut prendre le téléphone, regarder l'agenda en même temps et pouvoir accepter la mission ou pas. Donc on peut recevoir par mail, par message, donc ce qui est beaucoup plus discret que de recevoir sans arrêt des appels. Aussi, ça permet de pouvoir librement refuser la demande, parce que je sais que des fois, c'était un peu délicat de pouvoir dire non à notre responsable et éventuellement laisser les collègues dans l'embarras. L'implication des cadres, de l'encadrement de la direction, bien entendu, a fait que l'application Team Square a été efficace de suite. Nous avons fait des réunions également avec nos collaborateurs pour leur expliquer le changement de fonctionnement. Alors, au début, quand on nous a informé qu'on allait passer avec Team Square, on a été très réticents, moi et mes collègues hein, d'ailleurs, car on s'est dit, ouais, là, on n'aura plus de mission, on ne sait pas comment ça va être propagé, parce qu'on est quand même nombreux à pouvoir dépanner au niveau de l'EHPAD. Mais au final, non, on s'est très vite adapté, c'était très facile, ça fonctionne, ça roule, l'application sur mon téléphone. Avant de vous parler, j'ai reçu une demande, donc voilà, pour vous dire que tout fonctionne bien pour moi.